Un tour de France, mais aussi et surtout un tour de tous les massifs montagneux cette année. Et le menu est copieux dans les Alpes. Les jours qui viennent entre Savoie et Haute-Savoie s'avèrent corsés. Et avant la journée de repos, ce lundi, place à une explication vers Saint-Gervais. Au départ, Dégès, 179 km. L'étape sera longue et usante avec un profil casse-pattes sur le début du parcours. Avant d'enchaîner les difficultés, un final vers Saint-Gervais très compliqué. Passer la côte des Amérans, près de 3 km à près de 11% de pente. Il faudra ensuite avaler une ascension vers Saint-Gervais, 7 km à moins de 8%. Un final dantesque que les baroudeurs aborderont peut-être avec une marge suffisante pour jouer l'étape, à moins que les ogres Vingegaard et Pogacar ne décident d'en faire un champ de bataille.